Amis, amis, français, françaises, bienvenue dans un nouvel épisode de Polymanco Podcast et encore les nouvelles découvertes. C'est parti! Ok, donc j'imagine que vous pouvez voir le magnifique t-shirt Bodymanco suspendu ainsi que Olga dans un stretch assez intense et bien sûr mes nouvelles chaussettes. Aujourd'hui, j'aimerais tout d'abord parler d'un livre que j'ai lu qui se trouve ici de France de Val, La dernière étreinte. Merci Maëva de m'avoir offert pour Noël, c'était excellent. Et donc ce livre parlait des émotions et expliquait que les émotions sont effectivement utiles. Et c'est pour ça que même les animaux ressentent des émotions, tout simplement parce qu'elles sont essentielles à la survie des espèces. J'ai aussi eu la surprise de découvrir que, par exemple, même les bébés jusqu'à, il me semble, 1980 étaient considérés comme ne pouvant pas souffrir ou ressentir la douleur. Ouais. Et donc tout ça pour revoir l'importance d'écouter ses émotions, et c'est pour ça que des pratiques comme méditation ou yoga peuvent être très bénéfiques, tout simplement parce qu'on apprend à accepter tout ce qui est là, toutes les émotions, sans jugement. Donc si vous voulez tester un petit cours de yoga privé, le premier cours est toujours gratuit. Envoyez-moi un message! Ensuite, j'aimerais un tout petit peu parler de danse, car oui, comme je l'expliquais dans la vidéo de 2021, j'ai décidé de lier Bodymanco et le yoga à ma pratique de la danse. Car tout est assez connecté, et la semaine dernière, j'ai découvert une pratique de Charlie Morrissey qui réunit tous les matins pendant une heure, donc lui il est au Royaume-Uni, plusieurs personnes sur Zoom, donc souvent des danseurs, et pendant une heure il met tout simplement de la musique non-stop, et donc on peut juste danser comme on en a envie. Et ça, surtout en ce moment, ça fait vraiment du bien. Donc je voulais juste vous encourager si vous avez, si vous en avez marre, vous avez vraiment de l'énergie à revendre, enfermez-vous dans une pièce, mettez un casque ou des écouteurs ou votre musique préférée et défoulez-vous, dansez comme si c'était la dernière danse de votre vie, sans retenue. Bon bien sûr faites attention quand même à votre corps, mais juste vraiment défoulez-vous, ça fait du bien. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et à très bientôt pour un nouvel épisode des nouvelles vidéos.